Maintenant, nous allons réaliser un filet de rouget mariné et poêlé avec un Sainte-Foy de Bordeaux, dessus de Bordeaux. Donc pour cette recette, nous avons besoin d'une casserole dans laquelle on va mettre tous les ingrédients, l'eau, le vinaigre, le citron, le sucre en poudre, les épices badiane, réglisse, du thym, poivre de Java ou poivre de Jamaïque. Tout ceci, vous le mettez à bouillir 3 minutes et ensuite, on le versera bouillant sur les filets de rouget. Ensuite, nous avons préparé une petite garniture avec de la tomate concassée, de la tomate confit séchée, olive, persil, céleri branche et feuilles de céleri. Un peu de sel, un peu de poivre. On assaisonne avec de l'huile d'olive. On mélange. Cette petite garniture nous servira à disposer dessus les rougets en dernier. Donc là, nous prenons les éléments de légumes, les échalotes, les poivrons jaunes, les poivrons rouges, la courgette, les champignons, et on remet tout ça sur le feu 3 minutes à peine. Quand le liquide est bien chaud, on le verse dessus. Une fois que les rougets ont mariné un petit moment, on les égoutte et on les met dans la poêle bien chaude pour les griller d'un côté, sans les retourner. On va commencer par dresser les légumes, mais juste avant, on n'oublie pas de rajouter le citron confit. On remet les filets de rouget sur le petit lit de légumes. Et pour terminer, notre petite garniture. Froide, bien sûr. Un peu de piment d'Espelette pour le décor et pour le goût. Bon appétit, bien sûr.